Salut Alain, merci d'être venu au Maccabi, ça fait kiffer. Bonjour à tous, je vous présente Alain Fidlaz, vous connaissez hein, le taulier, d'accord, le taulier de la cascade en France. Voilà, celui qui m'a permis de faire mes classes pour l'instant dans deux films, hein. On espère plus, on verra par la suite, Red Dingue et aussi Anna de Luc Besson, on verra. Voilà, bref, aujourd'hui on reçoit donc Alain, il a chorégraphié, d'accord, les meilleurs films d'action en France. Ok. Que je dise pas de conneries, Bourne, Taken, les Bourne. Allez. Donc il a... 2, 3. Alors on a fait quoi? Donc il a fait Alain, donc alors, il est... Bourne Identity. Après. Les Taken, t'as fait? Non. Le premier Taken, c'est pas moi. Moi j'ai fait le numéro 2, le numéro 3. Là j'ai un trou. Transporteur. Attends. 2, 3, 4. Transporteur. Meet Gap. 36 qui est des orfèvres. Ah ouais. Et puis bon, après, ouais, on va pas commencer à... Hein. Mais bon, ça fait 36 ans de métier déjà. J'ai 56 ans, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, voilà, donc bon, hein, une vraie pointure, donc pas besoin d'en dire plus. Donc moi, il y a un truc que je voulais demander à Alain, parce que comme vous le savez, dans mes vidéos, il y a un thème que j'avais abordé une première fois avec Aurélien Duarte, c'était qu'est-ce que le karaté t'a apporté? Parce que la plupart de mes vidéos, elles sont sur le karaté. Donc moi, je voulais demander à Alain, par rapport au cinéma et à toutes ces scènes d'action, de bagarre qu'il fait, Alain, qu'est-ce que le karaté t'a apporté pour le cinéma? Parce que tu as été pratiquant de karaté et d'arts martiaux en général, donc je voulais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté pour le cinéma. Moi, le karaté, ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté, des techniques, ça m'a apporté une sagesse, ça m'a apporté... Et ça m'a apporté le cinéma. Pourquoi? J'explique, hein. J'ai commencé avec le judo quand j'étais petit. Je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans, j'ai commencé le judo. Et en même temps, j'ai fait du taekwondo. Donc voilà, je faisais judo, taekwondo. Et après, j'ai vu un mec qui s'appelait Michel Chapuis dans mon club à Servan. Enfin, mon club, dans le club où j'étais à Servan. Et il faisait du Viet Vodao. Et j'adorais le côté Viet, hyper beau gosse, le Michel, le petit survêtement qui va bien. Les jambes et tout, j'ai dit waouh, ouais, c'est trop charmé ça, c'est vachement beau et tout. Et donc je suis tombé amoureux de ça. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et parce qu'on va pas raconter non plus tout, hein, on n'a pas le temps. Ouais. Mais je reste concentré. Hein. Je rentre donc sur un cours de karaté. C'était Sauvin qui faisait un cours. Et là, j'étais halluciné. Je dis waouh, ouais, c'est chaud. Et putain, c'était génial. Donc je commence à attaquer un peu le karaté et je rencontre Georges Dziga. Et Georges Dziga, ce qui est incroyable, c'est que... Et d'une, c'est un putain de prof de karaté. Et de deux, c'est un mec qui faisait du cinéma, qui réglait les combats et qui avait... Ah, je savais pas. Et oui, pas il réglait les films Dziga de Christian Fechner. D'accord. Et c'était un super pote à Lanvin, un super pote à Ventura, un pote à Giraudot. J'en apprends autant que vous en même temps. Bah ouais, à Giraudot. Et ce mec, donc, réglait les combats pour Gérard, pour les films de Christian Fechner. Marche à l'ombre, tout ça, c'est lui. Et en allant dans son club, donc en passant les grades et tout, et il me disait, Alain, machin, si tu veux faire du cinéma, je vais te présenter des gens, patati, patata. Et voilà comment ça a commencé. Moi, je faisais du spectacle. Et petit à petit, j'ai rencontré quelques personnes. Et j'ai fait mon premier film, d'ailleurs, la première réalisation de Christian Fechner, Le bâtard de Dieu, ça s'appelait. Et c'est mon premier film que j'ai réglé grâce à Georges Dziga. Et ensuite, après, bon, bah voilà, on a fait notre école et compagnie. Mais le karaté m'a amené, et d'une, des connaissances, et de deux, une reconnaissance, voilà, connaissance et reconnaissance. Voilà, donc je suis très, 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 très fier de cet art martial. Et puis, bon, tous mes amis, ton père, tes oncles, tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai croisés dans le karaté. J'ai fait Bercy, j'ai organisé hein, Bercy pour Karaté Bushido, pour Ghislaine Barissa, j'ai organisé pendant 15 ans. Donc, ouais, j'ai rencontré tout ce qu'on a rencontré, du mythomane jusqu'au grand maître. Et voilà, j'ai fait la part des choses, le tri, ce qui m'a énormément servi pour mon travail aussi de chorégraphe. Et voilà, parce que moi, je ne suis jamais rentré dans un art martial pour aller jusqu'au bout en combat et tout, j'étais mauvais. Hein. Moi, je n'étais pas très combat et tout, je suis surtout mytho. Hein. Donc voilà, donc j'ai été prendre des... T'es pas que mytho, moi je peux dire il envoie, hein. il est modeste mais il envoie. Non, quand je dis mytho, ouais. Ça veut dire, non, c'est pas péjoratif, c'est un mytho, ça veut dire je ne veux jamais parler, toi t'es professeur de karaté, bien sûr, ouais. Moi je suis professeur d'illusion, voilà, moi je fais de la magie,
toi, tu fais du concret. Tu as travaillé toutes ces années pour avoir ton grade, ton papa pareil, enfin, tu vois, tes oncles pareil, tous les gens qui pratiquent les arts martiaux. Voilà, donc je respecte ça. Donc c'est pour ça que je fais toujours la part des choses. C'est-à-dire, moi, je me mets du côté fantasy, mais je n'ai pas à dire je suis. Le jeu, de toute façon, on n'est rien, voilà. Ça marche. Et j'avais une question vraiment, voilà, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que le karaté t'a apporté? C'est, on voyait dans les films d'action, les films de combat des années 90, beaucoup de karaté. Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris un petit peu. Même avant, même Joe avant. Lewis, Bill Wallace, ouais. C'est les premiers qui ont fait des films de karaté avec des Européens. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, mais ce que je me suis demandé aujourd'hui, maintenant on voit plus des scènes, c'est vrai, de close combat, de combat rapproché. Mais est-ce que, encore aujourd'hui, à cause de toi, oui, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut ou on utilise encore un petit peu de karaté dans le cinéma? On utilise toujours le karaté. On va appeler ça un coup de poing direct. Toi, tu vas appeler ça un tsuki, l'autre, il va appeler ça, boum, yakutsuki, et ainsi de suite. Il y en a un autre qui va appeler ça, tiens, ben, mets-lui un coup de poing direct. Il y en a un qui va appeler ça un coup de coude. Toi, tu vas appeler ça autrement, un coup de pied circulaire, ushiro. Bah, tu vois ce que je veux dire? Mets-lui un mawashi, c'est dans le langage courant maintenant. Ouais, mets-lui un mawashi, mets un mawashi. Voilà. Que veut dire tout mawashi? Tout le monde utilise mawashi, ouais. Voilà, mais que veut dire mawashi? Coup de pied circulaire. Voilà, mawashi. Ouais, mawashi. Pas ura mawashi. Mawashi circulaire et guérit le pied. Le pied, voilà. Mais ça, maintenant, tu vois, c'est pas, ça rentre dans un... Tiens, mets-lui un Oraken, tu vois. Non, mais il y a des petits mots comme ça qui sont restés. Qui restent, et qui restent dans tous les chorégraphes du monde entier. Hein, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que c'est des mots japonais qui sont là. Et quand tu es au Japon, parce que là, je viens de finir un film au Japon, t'amuses pas à sortir des conneries comme ça. Bah oui, parce que là, tu as tous les mecs qui font du Kokushinkai. D'accord, donc ils connaissent bien. École de Kokushin. Et là, quand tu leur dis Metsuki Yakutsuki, ils mettent Tsuki Yakutsuki. Moi, je pensais que quand j'avais fait ça, que c'était parce que toi, tu connaissais le karaté. Mais en fait, c'est marrant de savoir que tout le monde, au final, utilise aussi des petits termes comme ça. Donc c'est cool. Non, tout le monde, Puis le karaté, quoi. Le karaté, c'est vieux et ça durera jusqu'à la fin. Enfin, tous les arts martiaux, c'est la naissance même de c'est comme ça que ça se passe. Et puis bon, nous, ce qu'on fait, c'est alors on voit encore du karaté, on voit pas du karaté, c'est des modes. On a fait des films de karaté, on a fait des films de kung-fu, on a fait des films de si. Alors là, maintenant, c'est le penchak silat, le kali, le tout ça, le krav maga. Voilà. Moi, la première fois que je fais du krav maga à l'écran, on m'a dit c'est quoi? Je savais pas quoi dire. Ouais. Parce que si je dis krav maga, consonance israélienne, on était en plein conflit et tout. Moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça. Et c'est vrai que j'ai dit, bon, j'ai fait du krav maga. Et quand on m'a demandé c'est quoi le krav maga, je me suis dit, close combat israélien. Mais j'ai mélangé avec du kali, ce qui est vrai. On a mélangé avec du kali et entre autres des phases de Wing Chun et des phases de karaté. Ah, c'est top. Donc c'est un mix. On fabrique avec alors ce que je sais faire, ce que les autres savent faire, parce qu'on peut pas tout savoir. Donc on prend des spécialistes, comme je t'ai pris toi pour des stages ou pour des tournages ou pour entraîner des comédiens. Merci. Et tu prends des gens comme ça et tu t'amènes ça. Bon. Voilà. Bon bah super. Alain. Te dire un grand merci. Je peux te faire un câlin, Alain? Tu m'autorises? Je sais que t'aimes pas que je te fasse des câlins. À chaque fois on est en tournage, je vais lui faire un câlin, il me tape. Bon, là on essaye. Alain, merci beaucoup. Alain, voilà, crevage de yeux. Vous avez vu dans le cinéma? Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura d'autres. Qu'est-ce que le karaté vous a apporté avec des personnalités? D'accord, donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez-le pas. Je rigole. Ouais, c'est qui lui? Voilà. Vous pouvez mettre les insultes aussi. Voilà, il y a pas de souci. Mais m'insultez pas moi, je suis cadeau. Moi, voilà. C'est lui qui vous insultez. Et moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des réflexions, par exemple, si vous avez des questions, on pourra répondre la prochaine fois. Voilà, d'accord, pas d'accord sur certains points, d'accord. Et si vous avez des questions, d'accord, Alain et moi étant proches, on pourra répondre à vos questions et faire d'autres sujets. Voilà, les amis, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Merci. Bye. Salut. Ciao.